Direct, oui. Les amis, bonjour, c'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Chose promise, chose due. Donc, je suis en direct donc pour une séance de sport, hein. Ça faisait longtemps, voilà, que je ne l'avais pas fait. Actualité sportive oblige. Alors, donc, on est en direct donc sur StreamYard. Il se peut que y ait des problèmes parce que je ne maîtrise pas du tout l'endroit et tout ça. Donc, si ça ne marchait pas sur StreamYard, ma fille me filme également sur Facebook. Voilà, je vais déjà regarder ce que ça donne. Je vous demande juste un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Voilà, juste un petit instant. Merci. Voilà, likez, partagez s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie vraiment de votre fidélité. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je vérifie juste quelque chose. Donc, là, je vais déjà vous présenter la tenue. Donc je vois, voilà, sur c'est pas évident, hein. Pour moi c'est une première parce que le sport, le trépied que j'ai en fait n'accepte pas trop la position verticale sur StreamYard. Voilà, c'est compliqué. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vous demande un instant, je vais voilà, je vais partager. Merci beaucoup les amis. C'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, alors. Je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pas évident et tout ça. Alors, le groupe des femmes. Puis après, une fois que j'aurai partagé, je serai un peu plus tranquille. Voilà. Je demande juste un petit instant. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on peut démarrer. Alors, je vais vous présenter déjà la tenue que je porte. Alors, donc là, c'est du décathlon pour les personnes que ça intéresse. Donc, j'ai mis en bas un petit sweatshirt, là, comme ça, jaune, comme ça. Voilà. Un petit sweatshirt, j'ai mis un petit short noir et le petit short, voilà, dessus, etc. Donc ici, des chaussettes jaunes avec les chaussures que je vous avais présentées l'an dernier. Donc les chaussures de chez Lidl, voilà, très colorées, voilà, qui sont pas chères. Alors en général, les chaussures de chez Lidl, on les trouve, disons, pendant l'été, puisque Lidl propose éventuellement donc tout ce qui est serviette, etc., etc. Donc voilà, je voulais déjà vous présenter voilà tout l'ensemble.
Voilà, des Decathlon, c'est pas très cher, hein. C'est entre 15 et 20 euros là pour le sweat. Le short, il n'est pas très cher non plus. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, les chaussures, très confortables, voilà, etc. Vous voyez, avec une grosse, voilà, la grosse semelle. Là, on ne le voit pas sur StreamYard, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, chers amis de StreamYard, donc likez et partagez, s'il vous plaît. Voilà, ça ne va pas être facile, je sais. Si ça ne marche pas, je serai obligée de couper donc le StreamYard. C'est pas toujours facile. Alors, l'objet de la vidéo, c'est bien sûr toujours sensibiliser par rapport au sport. Comme vous le savez, on prend de l'âge, 35 pour les femmes, 45, 50, 55, voire 60 ans. On peut rester toujours en forme. Voilà, il suffit de prendre des bonnes résolutions. C'est pas toujours évident. Le corps des femmes change au fil du temps. Moi, à la base, je l'ai dit toujours, vous me connaissez, hein, j'ai des problèmes de poids, hein, donc à la base, c'est pas toujours très facile. Voilà, c'est pas toujours facile et tout ça. Mais j'essaie, si vous voulez, donc de me raisonner. J'avais fait déjà un régime, comme vous le savez, l'an dernier. J'avais tenu quelques mois, ça ne marche pas très très bien. J'ai décidé de reprendre encore une résolution là, tout de suite là, devant vous. Donc pour démarrer donc un régime qui, j'espère, bon, cette fois-ci va tenir. Voilà, je me donne à peu près un mois et demi pour perdre, je ne sais pas, on va dire entre 5, 10 kilos par exemple. On va voir ce que ça va donner. C'est pas très facile. Voilà, c'est un défi. Il y a un grand championnat de sport qui démarre donc dans quelques jours, comme vous le savez, c'est la Coupe du Monde. Voilà, c'est la jeunesse, c'est le sport, c'est la beauté, c'est beaucoup d'enjeux, etc. Moi, à mon petit niveau, en tant que utilisatrice, c'est vrai, régulière des réseaux sociaux, en tant que, on va dire, un peu influenceuse, j'aime pas trop dire ce mot, mais voilà, parce que je donne des conseils, parce que j'ai un petit savoir-faire à mon petit niveau, encore une fois, j'aimerais faire juste une sensibilisation pour tout le monde, garçons, filles, pour dire, faisons donc du sport, c'est très très important. Alors, voilà ce que je vous propose ce matin. C'est des exercices traditionnels, hein, que vous connaissez déjà, puisque je vous les propose de temps en temps. Voilà. Alors, si sur StreamYard, on ne me voit pas, malheureusement, je ne peux pas faire. J'ai des gros problèmes avec le trépied. Donc voilà. Alors, je vais commencer donc des exercices d'étirement. Voilà, j'espère qu'on me voit bien. Peut-être que je peux me rapprocher. Donc, voilà. Alors, donc, là, tout de suite, au niveau, si vous voulez, de la taille, alors, je montre déjà pour qu'on voit déjà une petite idée de la forme actuelle. Voilà, un peu, voyez, un peu, il y a quand même quelque chose ici. Voilà, donc, sur StreamYard, pas évident, voilà. Donc, qu'on voit un peu. Donc, voyez, il y a encore les gros bourrelets. Donc, il faut, l'idée, c'est que dans un mois et demi, que on en perde un peu. C'est ça, donc, l'idéal. Bon. Voilà. De toute façon, il y aura quelques photos. Ce sera un défi, etc. À comparer avec les nouvelles photos dans 45 jours, on va dire à peu près. Voilà. Donc, le premier exercice, les amis, c'est déjà travailler là au niveau donc de la taille. Voilà, j'essaye d'en faire entre 30 et 50 de ce côté. Voilà, donc ce sera, on va dire, voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Bien entendu, au moment donc de commencer, n'hésitez pas à boire de l'eau, hein, c'est très très important, voilà, et tout, pour les personnes, c'est vrai, qui n'aiment pas l'eau, il faut quand même boire un peu d'eau, parce que c'est
comment dirais-je, le corps a besoin donc d'eau, surtout quand vous faites des activités physiques. Moi, en tout cas, c'est ce que je préconise. Excusez-moi. Merci à tous les amis. Alors, je n'ai pas fait mon décompte. Voilà. Alors, donc là maintenant, ce sera donc dans l'autre sens. Merci à tous. Likez, partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice donc au niveau de la taille. Alors on peut également faire aussi quelques exercices au niveau du cou, comme vous le savez. Voilà, donc pour ceux qui ont des vertiges, etc. Je l'avais déjà dit quand je faisais quelques séances, donc la dernière séance, évitez si vous avez des problèmes de cou de ne pas trop forcer au niveau donc du cou. Voilà. Vous pouvez faire des exercices comme cela. Vous pouvez en faire 5 de ce côté et 5 de l'autre. Voilà. Voilà. On commence. Voilà. Hop. Donc, voilà. Ensuite, également, si vous voulez, voilà, faire comme ceci. Vous voyez que c'est douloureux, etc. Parce que c'est vrai que il peut y avoir des problèmes de cervicales, etc. Donc on ne force pas. Voilà. Voilà. Likez et partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, je vais faire aussi quelques exercices donc de ciseaux. Voilà. Comme ceci. Je voudrais aussi, je vous l'avais déjà présenté, le tapis. Voilà, le tapis que j'ai pris donc chez Aldi. Voilà, qui est très très grand, qui va, voilà, qui fait un peu plus d'un mètre et qui est très très à l'aise. Où on est vraiment très très à l'aise. Voilà, sur StreamYard, malheureusement, on ne me voit pas. Alors, je vais peut-être juste montrer comme ça sur StreamYard. Voilà. Vous voyez, il est très très grand. Voilà, c'est juste. Alors, vous l'avez chez Aldi. Vous pouvez l'avoir chez Lidl, chez Decathlon. Et voilà. Il n'est pas très cher. Il est à moins de 15 euros. Voilà. Donc, on me voit. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est voilà, de me mettre juste au bord et de faire donc voilà, des petites étirations juste au niveau donc du sol. Voilà, comme ceci.
en essayant justement de tendre donc les pieds. Voilà, c'est ça l'idéal. Voilà, il faut que ce soit tendu. Tu me montres bien au niveau Oui. des pieds. Merci. C'est ma fille qui m'aide, c'est pas évident. StreamYard, je suis désolée, mais voilà, j'espère qu'on me voit. C'est pas toujours évident. J'ai des problèmes avec le trépied. Voilà. 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 Faire, voilà, monter comme ça donc le genou également. Voilà. Vous tenez à peu près 10 secondes. Si vous pouvez aller donc jusqu'à 15 secondes aussi. Pas évident. Je vais essayer. Voilà. Là, on ne me verra pas sur StreamYard. Alors là, je vais me mettre donc sur le tapis. Voilà, StreamYard, si on ne me voit pas, je suis vraiment désolée. Je peux pas faire autrement. Alors, je vais voir si je peux baisser un peu. Alors, je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, est-ce qu'on me voit? Si. Je pense qu'on me voit. Si, si. Ça a l'air d'aller là. Voilà, donc. J'essaye de me mettre comme ceci. Voilà, c'est un mouvement comme ceci. Et j'essaye de me tenir le plus droite possible. Tu me dis si c'est bon, s'il te plaît, la position. Non. Non? Comme ceci. Voilà, on essaye donc de tenir. Vingt, 25 secondes. Ça travaille donc au niveau des fessiers. Voilà. Donc, vous voyez, les fessiers, donc ça travaille là, juste au niveau donc des fessiers. Juste là. Voilà, le bassin haut. Ça travaille bien. Donc, il peut y avoir donc une petite douleur au niveau donc du mollet, ça arrive. Après, il faut s'entraîner. Voilà. Il y a aussi l'exercice aussi donc ce qu'on appelle le gainage. Alors, le gainage, qu'est-ce que c'est? Il faut que le corps, si vous voulez, soit bien tendu. Alors, je vais essayer de. Voilà. Le gainage, c'est ça. Donc, le bassin en avant. Voilà, les mains comme ceci. Et vous essayez donc de tenir à peu près entre 20 et 30 secondes. C'est pas toujours évident. Alors, hop. Là, c'est dur. Ouh. Voilà. Donc, on essaie de tenir. Voilà, on se positionne comme ceci. Likez et partagez. Voilà, StreamYard pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà. On se positionne. C'est pas très facile le gainage. Mais ça travaille, si vous voulez, la sangle abdominale, c'est-à-dire cette partie-là. Là, cette partie. Si vous le faites régulièrement. Le but, en fait, si vous voulez, c'est d'avoir donc le ventre plat. Voilà, c'est ça donc le but. Voilà. La sangle abdominale. Voilà. On reprend. Encore pour une séance, on va essayer d'aller entre 25 et 30 secondes. C'est parti, voilà. Donc là, je mets mes coudes comme ceci. Voilà. Je m'abaisse. Voilà. Je pousse les pieds le plus en avant. Le bassin droit, là je ne le fais pas très très bien, mais voilà. Et on essaye de tenir.
Alors, voilà, on revient donc comme ceci. Voilà, au repos. On souffle. Et après, on va faire donc une troisième séance. Donc, on va aller de 25 à 30 secondes. Toujours, comme on a dit, l'idée, c'est le but en fait, c'est de travailler donc la sangle abdominale. Ici, voilà. Donc, objectif ventre plat. Voilà. On reprend, voilà. Je m'abaisse comme ceci, avec les coudes comme ceci. Voilà. Je pousse le pied plus en avant. Le buste. Et j'essaye de tenir. Donc j'ai essayé de tenir, c'est pas facile, mais il faut s'exercer. Il faut s'exercer et tout. Voilà. Là je souffle. Je souffle et je vais encore refaire voilà l'exercice donc de fessier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc comme ceci. Voilà, je suis en position. Voilà, le buste en avant, c'est pas toujours évident aussi, mais après c'est une question d'entraînement. Voilà, je pousse le pied le plus loin possible. Ça tire un peu au niveau des mollets. Voilà, donc ça. Ça tire là au niveau des mollets. Ici pareil. Voilà, je vais faire un petit mouvement. Je peux me reposer comme ceci. Voilà. Voilà. Voyez. Voilà. Donc, faire donc des exercices de gainage à chaque fois. Donc, ça prend entre, quand on est motivé au début, bon, c'est dur, entre 10 et 20 secondes. On essaie de partir jusqu'à, on va dire, 25-30 secondes. Et puis, si on est vraiment, si on maîtrise, on peut aller même jusqu'à 1 minute 30. L'idéal, c'est ça. Mais au début, ça peut être très, très dur. Voilà. Voilà. Alors, ici, pareil. Quand vous êtes sur votre tapis, il y a un exercice également que je fais également toujours pour la sangle abdominale, ici, au niveau pour casser donc le ventre. Voilà. Je me mets comme ceci, j'avance un tout petit peu, voilà, comme ceci, et je fais mon petit pédalage, comme ceci. Donc, j'essaye de tenir ici à peu près 25 secondes, à peu près, ici. Voilà, donc ça travaille, ça va travailler là. Ça travaille au niveau, donc, voilà. Ici, je reprends l'autre pied. Là, voilà, ça c'est le truc classique, voilà, sangle abdominale et également donc les fessiers également. Voilà, ensuite, une fois que j'ai fait ce premier exercice, j'essaye de soulever donc les deux pieds en même temps. Voilà, comme ceci, j'essaye de tenir.
Voilà, je compte dans ma tête jusqu'à 20. Voilà, ça c'est donc les abdominaux. Et une fois que je suis bien à l'aise et que j'ai fermé, voilà, j'essaye d'aller jusqu'au bout des chaussures. Comme ceci. Alors, je vais essayer de pousser pour voir. Alors, ouais. Plutôt comme ça. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Des exercices d'assouplissement. Voilà. Donc, on reprend. Ensuite, après, je peux faire donc du pédalage. Voilà. Les abdominaux toujours, les cuisses, les fesses. Voilà. Voilà, je peux faire comme ceci, comme cela. Voilà, au repos. Et je vais donc jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout de la chaussure. Voilà, pour m'étirer. Ensuite, je peux faire ça. Voilà, toujours ici pour travailler là. C'est vrai que on a tendance avec l'âge, quand nous les femmes, les hommes également, quand on prend beaucoup de poids, ce sera au niveau donc de la sangle abdominale. Donc l'idéal, c'est de trouver des exercices qui nous permettent donc de casser, si vous voulez, cette partie-là. Voilà, c'est ça l'idéal. Bien sûr, il y a la marche. Moi, je fais beaucoup de marches hein, en règle générale. Tous les jours, j'essaye en tant qu'adulte. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Voilà, c'est de faire 10 000 pas donc tous les jours. Moi, je les fais. Je les fais régulièrement. Donc, c'est très très important. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je me mets comme ceci en position latérale, on va dire. On va dire comme ceci. Voilà. Je souffle, et ensuite, donc, je vais soulever le pied comme ceci. Voilà, que je vais rabaisser, et je vais essayer d'aller jusqu'à 15. Donc, 15, voilà, 15 mouvements. Voilà, on peut mettre donc la main comme ça pour être un peu à l'aise. Je vais aller jusqu'à 15. Voilà, donc ça c'est le premier. Voilà. Je vais faire donc l'autre mouvement, toujours en position latérale. Voilà. Pourquoi on me voit bien. Voilà, l'autre côté, position latérale. On peut mettre la main comme ceci. Je vais aller donc jusqu'à 15. Voilà. On souffle un peu. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, voilà. Alors, StreamYard, je pense que je peux rester comme ça, puisque ça va, on me voit bien là maintenant. Voilà. On ne voit pas trop la tête, mais voilà. Donc, je me remets donc sur mon tapis, comme ceci. Voilà. Et j'essaye d'aller donc jusqu'en bas avec mes mains donc à plat, comme ceci. Alors, si c'est difficile au début,
Si vous pouvez juste toucher au niveau donc des doigts, c'est bien. Quand vous serez un peu plus à l'aise, vous irez donc en bas, comme ceci, avec la paume complètement déposée. Et bien sûr, l'idéal, c'est qu'au moment où vous faites l'exercice, que les jambes soient pliées. On peut avoir, moi, j'ai cette tentation de faire comme ça, mais l'idéal, c'est que ce soit plié. Je vais essayer. Pas évident. Tu t'avances un peu pour Facebook, avance pour qu'on voit bien le positionnement. Merci. Voilà. Voilà. Les mains bien à plat. Voilà, avec les genoux bien bien repliés. C'est ça. Le bon exercice. On essaye de tenir 20-25 secondes. On souffle bien. Voilà. Donc là, on peut encore faire un peu d'étirement au niveau voilà, de la taille, comme tout à l'heure, comme au début. Voilà. Toujours voilà, travailler donc la sangle abdominale. Hein, voilà. Je me mets comme ça pour qu'on voit bien. Voilà. Tu t'avances, s'il te plaît. C'est juste pour qu'on voit ici. Voilà. Donc voilà, c'est le but, c'est la sangle abdominale, là. Voilà. Donc là, ce sera maintenant l'autre côté. Voilà, likez et partagez, s'il vous plaît. Merci à tous. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, je souhaite la bienvenue donc à mes nouveaux followers Facebook, Twitter, voilà, YouTube, Twitch. Voilà. Merci à tous. Donc aujourd'hui, séance de sport. Voilà, j'ai pas l'occasion d'en faire énormément parce qu'il faut prendre du temps, etc. Tout ça. Le samedi, quand on travaille, c'est pas toujours évident. On a envie de se reposer. Hier, c'était férié. Je me suis dit, bon, voilà, on a eu 24 heures de repos. Pourquoi ne pas proposer donc une séance de sport? Voilà. Merci à tous. Là, je fais mes étirements. Voilà, je vais le plus longtemps derrière. Alors, je vais essayer de voir si je peux monter comme ceci. Ça m'étonne, mais je vais essayer. Sur StreamYard, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. Voilà. On va le laisser comment il était. Pas toujours évident. Voilà. OK. C'est pas toujours facile. Alors, voilà, ça s'est déplacé. Voilà. Essaye. Donc, faire des exercices si vous voulez avec les bras comme ça derrière. Voilà, faire comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est très très bien aussi, ça travaille là. Vous voyez, avec l'âge, on est beaucoup de femmes, hein, voilà. On a tendance à avoir, je vais montrer, on a tendance à avoir, vous voyez, cette partie du machin. Tu viens, s'il te plaît, pour montrer? Non, c'est bien. Voilà, cette partie, si vous voulez, qui a tendance un peu à se relâcher. Voyez? Tu montres? Oui. Cette partie-là qui a tendance à se relâcher.
Donc, avec l'exercice que je vous propose, voilà, tout de suite, voilà, quand vous le ferez régulièrement, ben, ce sera, on va dire, un peu plus ferme, voilà, avec ce mouvement-là. Voilà. Il y a aussi un autre exercice aussi, quand vous avez fini votre marche rapide, votre jogging, et que vous arrivez à destination, on va dire ça comme ça, adossez-vous, si vous voulez, à une surface, on va dire, dure, voilà, avec les mains comme ceci. Alors, StreamYard, je crois qu'on va, oui, on va pouvoir me voir, c'est bon. Donc, comme ceci, pas trop haut. En général, comme ceci. Voilà. Voilà. Et vous pouvez faire ça. Voilà. Je prends donc mon pied comme ceci. Des étirements également. Après la marche, après le jogging. J'essaye de tenir. Voilà. C'est pour faire tenir donc la cuisse, les fessiers aussi. Je monte le plus haut possible. Voilà, comme ceci. Voilà, j'essaye de tenir. Voilà, la main comme ceci. Je soulève donc le pied comme ceci. Il faut que ce soit le pied soit le plus haut possible. Pas toujours facile. Voilà, ça travaille là, ça travaille donc à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, on a à peu près tout vu. Hein, c'est des trucs d'étirement, donc voilà, le gainage, etc. Voilà, boire de l'eau, comme on a dit, hein, c'est très très important. Moi, je me suis fixé donc cet objectif. On verra dans 45 jours ce que ça va donner. Et puis voilà. Voilà. Alors, je vais reprendre encore donc le dernier mouvement. Voilà, comme ceci. Voilà, on tient. Voilà, plus haut. Voilà, comme ceci. On souffle. Voilà, la main comme ceci. Et de tenir, voilà, comme ceci. Voilà. Je vais finir mon exercice en allant au sol. Les amis, voilà, c'était donc la séance de sport. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, moi je vous remercie encore et je vous dis donc à très très voilà, très très bientôt. Je vous dis donc à très très bientôt donc pour une séance donc de sport. Voilà, faisons du sport, c'est très très important si vous voulez pour voilà, pour le corps, etc. Donc voilà, c'est il faut voilà, je dis bonjour à tout le monde. Voilà. Koulou Haïdar, voilà. Sam Fatima.
Voilà. Coucou à tous, voilà. Je suis également donc sur StreamYard. Alors, hop, je vais faire donc un petit coucou. Voilà, coucou StreamYard. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre sur les commentaires. Voilà, il y avait pas de commentaires. Voilà. merci beaucoup. Et puis, ben, je vous dis donc à très très bientôt. Faisons donc du sport. Voilà, et tout. Ah, il y avait quelqu'un. Bon, très bien. Je vais faire quelques photos, vous montrer un peu donc l'état de la sangle, parce que c'est important, voir un peu l'effet, on va dire, dans un mois et demi. Et puis vous tenir donc au courant. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de votre fidélité. Et voilà. Suivez-moi sur tous mes réseaux, donc Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, voilà, et ainsi que voilà, ainsi que le petit oiseau bleu, Twitter. Voilà, je vous dis donc à très très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, merci.